Oui, ça a très bien commencé pour moi dans l'élite. Je pense que ça va pas être facile pour faire avec les grosses, mais quand même, j'ai gagné avec mon cheval qui avait que 8 ans. Et puis j'étais super heureux et je n'ai pas pensé que je vais faire la médaille d'or déjà la première année. La semaine passée à Paris, c'était incroyable. Le week-end, c'était bien, super pour moi. J'ai déjà gagné une épreuve samedi, j'étais toujours classé. Et puis je savais que je vais être prêt pour le Grand Prix. Puis j'ai fait un bon sans faute, première manche. Et mon cheval PSG Futur sautait super. Et après, pour finir première avec le sans faute au barrage, ça c'était incroyable. Oui, c'était fou à Helsinki. On était tous les trois dans le barrage. Et puis moi, j'ai déjà dit à Pius avant que ça commençait, Pius. On va gagner cette épreuve. Il a dit oui, sûrement un de nous il va gagner. Et puis qu'on a fait tous les trois sur le podium, ça c'était incroyable. Oui, j'étais jamais à Aix-la-Chapelle, alors j'aimerais bien aller là. J'en ai PSG Futur et Cluny que je peux faire peut-être avec les championnats d'Europe. Et puis il y a aussi le Final Coupe du Monde à Las Vegas. J'aimerais bien aller là avec PSG Futur. Il est super dans les indoors, comme il l'a montré, puis je dois me qualifier encore. Mais si je suis qualifié, ça va être un grand objectif pour moi. Oui, sûr, c'est un rêve de moi, mais c'est encore loin. Je dois garder mes chevaux et puis on doit voir si c'est en forme. Et comme je dis, c'est un rêve pour moi, mais on est encore loin des Jeux Olympiques, mais sûrement c'est un objectif. Ok, je commence avec PSG Futur et c'est un super cheval. Il a une super technique et une super tête. Il peut aller vite et il est respectueux. Et puis il a très bien fait maintenant ses Grand Prix 5 étoiles. Et puis il a 10 ans, alors c'est un bon âge. J'en ai encore Cluny qui a seulement 8 ans, qui a gagné les championnats suisses. Je pense que c'est un cheval pour le futur. Il a déjà bien fait cette année. Mais je pense que les prochaines années, je vais faire encore beaucoup de grosses épreuves avec lui. Et après, Pixu Duchesne, que j'ai récupéré de Pierre Schwitzer. J'avais un peu de problèmes pour commencer, mais maintenant, on a bien trouvé. Il a gagné une épreuve à Paris et puis il est très bien en forme. Et il va la semaine prochaine à Londres.